Bonjour mesdames et co-créateurs, c'est Lilou pour la télé de Lilou. Je suis à Paris aujourd'hui avec Marion Catherine. Bonjour. Bonjour Lilou. Comment vas-tu? Super bien, merci. Écoute, quand on me parle de l'Inde, quand on me parle d'aller en Inde pendant 21 jours, d'aller voir les lépreux, pour un premier voyage, je trouve ça super courageux. Moi, ça me touche forcément parce que je fais plein de voyages, mais c'est des voyages quelque part, des destinations qui sont occidentales, enfin qui sont très aseptisées, etc. Et toi, t'as décidé de faire ce voyage. Qu'est-ce qui t'a pris? Quelle mouche t'a piqué? Écoute, tout l'hiver dernier, je me sentais bof. Je me sentais, je sais pas, il manquait quelque chose. Et puis, ça m'est venu comme un appel, tu vois, comme toi, quand tu dis, oh, je vais aller interviewer, je sais pas qui. Toi. Tout moi. Et en fait, je discutais avec un gars qui a une association qui fait de adoption et parrainage d'enfants. Et il me parlait de ça, je disais, je trouvais c'était ça beau, etc. À un moment, il a mentionné lépreux. Et quand il a dit lépreux, il y a mon corps qui a fait brr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 
Oui, ils sont à l'air libre, ils ne marchent plus, ils ont des membres en moins, beaucoup sont aveugles, ils ont la peau totalement desséchée. Enfin, mais trois jours après, je me suis retrouvée avec eux sur une photo, en train d'attraper les femmes en disant « viens, viens ». Et en fin de compte, une fois que j'étais en train de me faire prendre en photo avec les gens, là, je me suis dit « ah bah tiens, j'ai plus peur ». J'ai plus peur d'être pauvre, j'ai plus peur d'être lépreuse, j'ai plus peur. Et c'était deux jours et demi après. Donc c'était une guérison en même temps pour toi ? C'est énorme, énorme, énorme. J'ai reçu que de l'amour, plein d'amour. Vous comprenez, vous voyez ce qui se passait ? Vous communiquiez ou... Alors on communiquait en langage des signes et avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Parce que, en fait, ce sont des gens qui sont assez très sensibles. Ils ne lisent pas pour la plupart. Donc, ils sont habitués à. Ils sont encore beaucoup dans le corps, dans les yeux, dans les gestes. Et avec les gestes et de l'amour, qu'est-ce qu'on fait ? C'est fou, on tient une conversation. Hein. Parce qu'ils ne parlaient pas un mot d'anglais. Tu ne te plaignes pas, tu ne sens pas ce côté plainte ? Parce qu'on le voit en Inde où on en entend parler, du côté qui mendie ou qui se plaint ou qui demande de l'aide. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti ou... Non, pas du tout. C'est des préjugés en fait qu'on a. Moi, je ne pense pas qu'ils ne pensaient pas à me demander de l'argent en tous les cas. Hein. Ils se plaignaient quand ils étaient au dispensaire, je les entendais dire j'ai mal ici ou là. Mais sinon, c'était. On se croisait le matin, ça va. Enfin bon, en Telugu, hein, j'ai même oublié comment on dit. Oh, ça aurait été drôle. C'était comme un rêve. Hein. Ouais, c'était d'ailleurs, dans le dispensaire, c'était un peu comme un café chez nous. Tellement ils y allaient de façon naturelle. Ils discutaient, ils se racontaient leurs nouvelles. C'était vraiment. On a été potes, mais tout de suite, quoi. 3-4 jours après, on était potes, on se parlait, enfin, on se parlait. Tu vois, on se parlait en signes, en gestes, en sourires. Moi, avec les grands-mères, je les comprenais. Les femmes de ton âge, elles avaient l'air de grand-mères plus vieilles que moi. Enfin, c'était terrible. Hein. La maladie est difficile. Tu as levé des fonds avant de partir et ensuite, en revenant, tu as utilisé, je suppose, ces fonds ou ton argent pour faire le voyage. Et ensuite, tu as décidé donc d'auto-publier ce livre. Et c'est là où, je veux juste mettre une petite pointe de co-création dans l'histoire, la co-création ne veut pas dire donation, on est d'accord. La co-création veut dire soutenir quelqu'un, quelque chose qui nous parle inconditionnellement parce qu'on a envie d'aider cette personne-là, on a un appel. Toi, tu as co-créé, tu as été en Inde, tu as été co-créatrice, tu as apporté ce que tu avais apporté. Ça ne veut pas dire argent. Là, on est dans une situation où c'est vrai qu'il faut apporter aussi des fonds des fois, tout comme la télé de Lilou ou plein d'autres choses qui existent dans le monde. Il faut soutenir ce genre de choses. Co-création n'égale pas donation, parce que j'ai eu des messages assez méchants sur Facebook, mais ça, c'est drôle, tu vois. C'est pas grave, parce qu'un jour, les gens qui envoient ces messages, un jour, ils vont comprendre ce que c'est. Que d'aimer et que de donner et de co-créer comme, parce que nous co-créons notre monde tous les jours, donc c'est il y a quelqu'un qui va faire quelque chose, je vais avoir bonheur à l'aider et puis cette personne ira aider un autre avec bonheur, etc. Moi j'ai découvert un truc nouveau aussi, c'est-à-dire que quand j'ai vu le prix du billet, bon j'avais l'appel, 850 € le billet, je me dis oh, c'est beaucoup d'argent quand même. Et jusqu'à maintenant, j'avais toujours plutôt fait des chèques que de partir moi-même. Mais en fait, en partant, d'abord, j'ai pu leur envoyer de l'amour, leur apporter de l'amour de la France et de l'Occident, même s'ils ne savent pas trop bien où est la France. Et du coup, ça m'a donné envie d'envoyer des nouvelles. Du coup, ça m'a fait faire un livre. Et du coup, ça fait monter plus d'argent que si j'avais fait, moi, mon petit chèque de pauvresse. Quoi. C'est ce que tu dis, c'est la co-créativité, c'est la co-création. C'est du coup, telle envie d'acheter un livre. Par exemple, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est aider les veuves, parce que les veuves en Inde, elles sont dans une situation désespérée. Envoyer les enfants à l'école. Quand je suis arrivée, je voyais tous les saris, mais tout troué, les jupons qui mettent au-dessous des seuils, complètement troués. J'ai envoyé un mail à mes amis et en fait, ils m'ont répondu, ils ont envoyé de l'argent. Et une jolie phrase, c'était celle d'Arnaud. Il a fait un don sur PayPal ou je sais pas quoi. Et il disait pour que ces femmes soient belles. C'est beau, hein.
Tu leur as dit. Ouais. C'est tellement bon de se retrouver dans ce jus-là. Enfin, t'as été carrément au jus, quoi. Tu t'es déplacé, t'as été là-bas, tu l'as vécu. Ouais. C'est une chose d'en entendre parler, et c'en est une autre d'avoir le courage de le vivre. Et c'est pas pour tout le monde. Et voilà, chacun son courage, chacun son histoire, chacun son parcours. C'est vraiment, c'est pas pour ça. Là, c'est. Qu'est-ce que cette vidéo pour toi, qu'est-ce que ton histoire en fait, tu vois que ça éveille chez les gens? C'est exactement comme toi, Lilou, quand on regarde tes vidéos. Ça veut dire, moi, ça dit, la personne qui regarde dit, et moi, c'est quoi mon truc, hein? C'est quoi mon juicy, toi, tu dis toujours, hein? Et moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi? Parce que chaque individu a exactement un truc qui lui convient, qui fait le mieux du monde, etc. Et ça, si nous ne le trouvons pas, nous sommes tristes ou nettes, hein? C'est là où la tristesse s'installe, mes délicieux co-créateurs, c'est mignon comme tout. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Lilou. Merci à toi. Merci pour toutes ces belles vidéos. Merci. Merci tout mon cœur. Je suis ravie de cette rencontre. Et vous aussi, j'en suis sûre. Si vous écoutez encore cette vidéo, s'il vous plaît, partagez-la avec des personnes qui rêvent, elles aussi, voilà, qui ont cet élan, ou peut-être qui sont tristes ou nettes. Et ben voilà. C'est une vidéo qui met du baume au cœur. Merci. Gros bisous, mes délicieux co-créateurs. À bientôt.